racontons l'histoire du garçon, du loup et du mouton. Oh, le petit garçon qui criait au loup. Pourquoi criait-il au loup? Parce qu'il ne savait pas comment dire « ouais ». Jay, pourquoi tu ne ferais pas semblant d'être le berger? Raconte-nous tout. Bien sûr. Je suis un berger avec mes moutons. J'essaie de ne pas dormir parce que parfois c'est très très long de regarder cette herbe grandir. Hey, j'ai une idée. J'ai envie de faire une blague à tous les villageois. Je vais faire croire qu'il y a un loup qui est passé faire peur aux moutons. À l'aide! Aidez-moi, aidez-moi, il y a le loup. Il a chassé mes moutons, nous avons tous peur. À l'aide! Non mais non! Non mais non! Ne fais pas ça, c'est pas bien du tout. Les villageois sont donc venus. Il n'y avait pas de loup, ils n'ont rien vu. Le garçon rigola, c'était juste une blague. Mais ça ne les amusa pas du tout. Mais honte à toi de nous inquiéter tous. Nous pensions que toi et ton troupeau aviez des problèmes. Ah, c'était juste une blague. Une blague. Le jour passe long, était la nuit. Le jeune garçon à nouveau s'ennuie. Allez, et si on s'amusait? Faisons la même blague pour un peu rigoler. On dirait qu'il y a du grabuge. Les villageois sont venus apporter leur aide au petit berger. Le garçon rit. J'ai plaisanté les gars. Tu ferais mieux de t'excuser. Ouais, excuse-toi. Tu nous as encore trompés, c'est pas gentil. Tu es un menteur. C'était une blague. C'était une blague. Les villageois n'étaient pas contents. Mais le berger a trouvé amusant d'avoir une fois de plus piégé les habitants de la ville. Un jour, le berger et son troupeau ont vu le loup, c'était pas rigolo. Le berger demanda de l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît, cette fois-ci pour de vrai. C'est ça, voulez-vous une tasse de thé? Pourquoi pas? Mais personne n'a cru le berger, tout le monde l'a cru qu'il plaisantait. Ils ont ignoré son à boire leur thé. C'est pas drôle, c'était vrai cette fois. Aidez-moi, aidez-moi, un loup est apparu. Il a chassé mes moutons, nous avons tous peur. Mais malheureusement, personne n'est venu. Le berger s'est rendu compte que personne ne le croyait plus. Le garçon est arrivé en ville. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui. C'est lui qui nous a rendu fous. Je suis désolée de m'être mal comportée. Je suis vraiment désolée. J'ai appris ma leçon et je ne mentirai plus jamais. Bien joué. Bien joué. C'est l'heure de l'histoire, tout le monde. Que diriez-vous du petit chaperon rouge? Ouais, ok. Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge. Et moi, je serai le grand méchant loup. Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée. Tout le monde est prêt? Oui. Il était une fois une fille vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade. Elle ne se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment. Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger. Je te promets. Maman donne des spécialités au chaperon rouge, le fromage préféré de la grand-mère. Mais dans les bois, un loup l'arrêta. Mais bonjour ma chérie, où vas-tu? Dit-il. Tu es un étranger, non? Je ne suis pas vraiment censée te parler, mais
Je vais chez ma grand-mère, elle est malade au lit. J'ai apporté du fromage et du pain frais. Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent, il connaissait le chemin de la maison par cœur. Je suis plus intelligent que la moyenne. Le loup s'est faufilé chez la grand-mère. Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace. Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Allez ! Oh, pauvre mamie qui pleure. Pourquoi entrer, ma chère ? Pourquoi, mamie ? Dit-elle en rentrant directement. Je me demandais comment tu allais. Oh, je vais bien. Elle avait l'air bizarre. Mamie, depuis quand tu as une barbe ? Mamie qui a une barbe. Oh, oh. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as ? Grand-mère, quels grands yeux tu as ? Grand-mère, quelles grandes dents tu as ? C'est pour mieux te manger avec, ma chérie. Non ! Oh, non ! Oh, non ! Dis-moi ça en face ! C'est pour mieux te manger, ma chère. Une seconde fois. Non. Le petit chaperon rouge se met à crier. Et un chasseur arriva de la forêt. Il a brisé la porte et a attrapé la bête. Je vais te donner un pain. Pour ne pas dire plus. Tu es un grand méchant loup poilu. Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute ou tu n'auras plus d'amis. Le chasseur a laissé sortir la mamie. Petit chaperon rouge s'est mis à crier. J'ai parlé à un étranger. À vous, chaperon rouge. J'ai appris ma leçon maintenant. Elle dit. Elle a appris sa leçon maintenant. Elle dit. Waouh, ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon. C'est sûr. Ils ont envoyé au loin, il n'est jamais revenu. Tu vois ce qu'il arrive aux grosses brutes. En effet. Maintenant, quelle est la morale de cette histoire? Je ne laisserai un loup jamais savoir que tu as du pain frais et du fromage spécial. Ok, à qui le tour de raconter une histoire? C'est mon tour. Je vais raconter l'histoire du lion et des chouriches. Tu ne voulais pas dire souris? Pas cette fois, parce que vous allez tous être des petites chouriches. Un lion très très puissant dormait dans sa tanière. Trois petites souris s'approchaient le regard. L'une d'elles accidentellement frôla la patte du lion. Aïe, désolé, monsieur lion. Il devrait y avoir une loi. Oh, désolé, j'espère que je t'ai pas fait mal. Le lion recule sa patte puis la lâcha sur la souris. Les autres souris sont effrayées, ils criaient. Tu es lourd. Je vous en prie, monsieur lion, écoutez mon appel. Je promets de te rendre l'appareil si seulement tu me libères. Je serai ton meilleur ami. S'il te plaît. Je suppose que je pourrais dire oui, mais seulement pour cette fois. Maintenant, va rejoindre tes amis et je ne t'en voudrai pas. Oh, merci, monsieur lion. Je suis redevable à jamais. Je suppose que tous les lions ne sont pas vraiment une menace. Alors le grand lion a laissé partir la petite souris. Wow, c'est effrayant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Oh. Raconte. Yeah, on y va. Pararam, param, param. Quand le lion est parti à la chasse, il s'est fait piéger. Il fit les 100 pas et grogna, puis il s'est inquiété. Il rugit si fort que les trois souris l'entendent crier. C'est votre ami le lion. Il a des ennuis, mon Dieu. Accrochez-vous à vos chevaux. Je veux dire, les lions, nous venons à la rescousse. Pris dans le filet, le lion fait les 100 pas et pleure. Sans avoir peur, les petites souris se pressent à ses côtés. Elles grignotèrent un grand trou, deviennent le guide du lion. Eh bien, qu'est-ce que je vous dis? Ces petites souris sont mes fiertés. Nous sommes amis. Ah,
brebis jusqu'à la fin. Gentille souris. Les amis sont comme la famille, la famille comme les amis. Je tiens toujours mes promesses, vous pouvez en être sûr. La leçon à tirer, c'est l'amitié, monsieur Lion, vous voyez. L'amitié est un cadeau qui vous libère toujours. Alors, c'est une histoire de lions qui se font piéger. Non, idiot, c'est une histoire d'amitié et de gentillesse. C'est sûr, il s'agit d'être toujours là pour ses amis. J'adore ça, c'est trop mignon. Maintenant, qui connaît l'histoire de la tortue et du lièvre? Oh, je ne savais pas que les tortues avaient des poils. Non, idiote, un lièvre c'est comme un lapin très très rapide. Oh, alors ses poils lui permettent d'aller très très vite. Voyons voir ce qui va se passer, je vous montre. Oui. Et je parie que je vais gagner. Oh, bien sûr, ok. Je peux être lente, mais j'ai mes habitudes. Oh, bien sûr. Je suis plutôt rapide, ouais, tu sais. Oui, c'est ça. Il était une fois un jour d'été, une tortue et un lièvre ont fait une course. Je vais te battre. Oh, je ne pense pas, donc dis-nous. Quel match de tel opposé. Pensez-vous que la tortue va s'arrêter? Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Il se serre la main à la porte du départ. Que le meilleur gagne. Ça va bien se passer. Le lièvre est rapide à la vitesse de l'éclair. Désolé vieux pote. Désolé, pas besoin. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça. Partez maintenant, faites-le bien. Le lièvre est parti, la tortue est restée. Réfléchissant à ses mouvements, il savait qu'elle trouverait son rythme. Lentement et sûrement, on gagne la course. Avancez, gardez votre rythme. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Allez la tortue, yeah. La tortue se promène tout droit devant elle. Lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Lentement et sûrement. Le lièvre ronflait si profondément et la tortue passait. Je n'ai rien à faire. Je me dirige vers la ligne d'arrivée. Je pourrais bien gagner, c'est ça le signe. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Quand la tortue franchit la ligne d'arrivée, ses amis l'acclament. Wow, tu as été bien! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, petit lièvre. J'ai juste gardé mon rythme. Petit lièvre dit. Ne dites-vous de ça! Tu as gagné la course parce que je faisais une sieste. Oh là là! Oh mon Dieu! Je suis content pour toi que tu as gagné. Nous sommes les meilleurs amis et c'était. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Le lièvre est rapide, mais la tortue c'est lentement et sûrement, c'est comme ça que ça marche. Alors, les cheveux de la tortue l'ont vraiment aidé à gagner, non? Non, pas exactement. Non, Bonnie, la tortue a battu le lièvre à la course. Battre les cheveux? Oh! Je n'aimerais pas qu'on me batte les cheveux. Je les aime comme ils sont. C'est trop marrant. La fin.
Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle a vu en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. Un, deux, trois. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Aïe, aïe, aïe. Oh! Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon! Boucle d'Or a vu trois chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh, trop serrée. Mais la troisième était parfaite. Ah, oh, c'est la meilleure de toutes. Oh, oups. Oh mon Dieu. Oh là là. Quand elle s'est enfoncée dans la chaise, elle s'est brisée en mille morceaux. Oh mon Dieu. Regarde ce que j'ai fait. Oh. Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec trois lits. Waouh, regarde ça. Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je le fais? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh. Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu. Mais le troisième était parfait. Ah, ah, celui-ci va le faire. Pendant que Boucle d'Or ronflait, les trois ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là, on dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu. Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu. Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas, dans le mien aussi. Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye-bye. Merci pour tout. Boucle d'Or a couru dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours n'en croyaient pas leurs yeux. Maintenant l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe. Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors, ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie. Et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme, dit-elle poliment. C'est chance, ces haricots contre ces vaches laitières.
Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh Jacques, juste des haricots, mon Dieu! Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non! Jacky a grimpé si haut sur la tige et a trouvé un château dans le ciel. Wouah! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trombe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom, prêt ou pas, j'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappa avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit, l'orgueil du géant, 19 dans 2, cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5? Fifa, fom, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, fom, prêt ou pas, j'arrive. Jack est assis, Jack est rapide. Oups, mauvaise histoire. Jack est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jack et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais, jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques leur fit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut se casser les dents ou le nez. Soyons des singes bondissant d'arbre en arbre. Hé hé, on est tous des singes. 5 petits singes sautant sur le lit. Un est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Quatre petits singes sautant sur le lit. Un est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Ce n'est pas le lit, on est dans les cimes des arbres. Et oui. Trois petits singes sautant sur le lit. Oui. Un est tombé et s'est cogné la tête. Oh. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit. L'un d'eux est tombé et s'est cogné la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: maintenant plus de singes qui sautent sur le lit. Je leur ai dit, je leur ai dit. C'est abusant. Sautant sur le lit, il est tombé
ses singes tous au lit. Oh non! Oui, c'est ça! Tous au lit! Ah, tu dis, tu tout de suite! Tu y arrives! Bonne nuit! Les enfants, où êtes-vous? Bisous, là. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien. Mais où est mon petit bonhomme alors? Chérie, chérie, c'est l'heure du réveil, le déjeuner est prêt. Je suis là. Allez, monsieur, levez-vous maintenant, je ne le répéterai pas. D'accord, petit garçon, aucun n'y verra pas d'inconvénient. Il peut manger vos crêpes et il sera très content. Non, attends une minute, maman, je crois que je peux me lever. S'il vous plaît, ne donnez pas mes crêpes à notre chien si affamé. Je vais les manger. Oh, regarde ce désordre. Tu es... Wow. Range ta chambre, petite fille, vous avez fait un tel désordre. Pas moi. Oh mon Dieu, mon petit bébé, regarde-moi un peu cette robe. Non, non, maman, maman, j'ai bien cette façon de faire. Tout est tellement coloré, je sais que tout est ok. Pas moi. Mais regarde, ma petite fille, si vous rangez vos peintures ici, il aidera tout simplement que ce désordre disparaisse. Voilà. Ok, maman, maman. Oui, 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 oui. Yeah. Regardez-moi pendant que je peins ma jolie petite robe. Ce n'est pas que nous sommes des problèmes. Nous aimons juste dire non. Non. C'est ton mot si préféré. Il est difficile de ne pas dire. Ok, non, mes petits bonhommes, nous allons au magasin. Pas moi. Allons chercher nos affaires. Non, non, préparons-nous non à sortir. Mais. Non, non, maman, maman, nous voulons jouer dehors. Je veux faire de la balançoire et moi faire du toboggan. Yeah. Tu pourras toujours t'amuser dès notre retour à la maison. Joli goûter. Ok, maman, maman. Oui, 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 oui. Nous ne voulons pas discuter. Maman, tu es la meilleure. Non, vous êtes les meilleurs. Toi. Non, moi. Oh, mes petits bonhommes. C'est la vie de chien. Maman appelle le docteur et le docteur.
le docteur dit « Fini les bébés qui sautent sur le lit !» Mon bébé, je me suis réveillée en petite forme avec une fièvre et une toux. Mon nez est tout irrité et j'ai la gorge nouée. Oh non! Maman dit: pauvre bébé, ma petite n'est pas bien. Je prendrai soin de toi et bientôt tu te sentiras mieux. Ah, tu as mes souhaits. Dieu vous bénisse. Ah, tu, oh non. J'ai un rhume dans la poitrine. Ah, tu, oh oh. Ah, tu, quel problème? Ah, tu, je me suis mouchée sur ma jolie nouvelle robe. Ma sœur se sent pas très bien. Je pense qu'elle a la grippe. Mais maman va la soigner, parce que c'est ce que font les mamans. Maman donne ses baisers et lui apporte son ours en peluche. Mais elle continue à tousser ici et partout. Oh mon Dieu! Ah, tchou, à vos souhaits. Ah, tchou, Dieu vous bénisse. Ah, tchou, oh non. J'ai un rhume dans la poitrine. Achou, oh oh. Achou, quel problème? Achou, je me suis mouchée sur ma jolie nouvelle robe. Oh mon Dieu! Alors ce soir je vais te bercer comme le font les mamans. Je vais faire une potion magique pour te faire sentir en forme. Lorsque tu t'endormiras, j'éteindrai la lumière. Mon petit bébé chéri va se sentir beaucoup mieux. Je sens que je vais beaucoup mieux. Maintenant, je vais devoir dormir. Oui. C'est OK. Ferme tes yeux, ma jolie Ellie. C'est ma jolie fille. Je crois qu'elle dort. C'est ma jolie puce. Elle dort maintenant. Où allons-nous? J'adore. Oh, regarde. Les roues du bus se tournent, 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 tournent. Les roues du bus se tournent, tournent dans toute la ville. Dans toute la ville, il pleut, switch.
l'ai attrapé. Les bébés dans le bus montent, descendent, descendent. Les bébés dans le bus montent, descendent dans toute la ville. Montent et descendent. Les roues du bus se tournent, tournent. Les roues du bus se tournent, dans toute la ville, Allez les enfants, on y va. On arrive. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a une vache, i-a-i-a-yo. Me ici, me là-bas, me ici, me là-bas, on n'entend que des meumes. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un cochon, i-a-i-a-yo. Wok wok ici, wok wok là-bas, wok ici, wok là-bas, on n'entend que de wok wok. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un cheval, i-a-i-a-yo. Né-né ici, né-né là-bas, né ici, né là-bas, on n'entend que de né-né. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un agneau, i-a-i-a-yo. Baba ici, baba là-bas, ba ici, ba là-bas, on n'entend que des baba. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Oh, c'est un canard. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un canard, i-a-i-a-yo. Quac quac ici, quac quac là-bas, quac ici, quac là-bas, on n'entend que des quac quac. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Ici, petit canard, quac. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a un chien, i-a-i-a-yo. Wouf wouf ici, wouf wouf là-bas, wouf ici, wouf là-bas, on n'entend que des wouf wouf. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Et dans sa ferme, il y a une poule, i-a-i-a-yo. Côte-côte ici, côte-côte là-bas, côte ici, côte là-bas, on n'entend que des côtes-côtes. Le vieux McDonald a une ferme, i-a-i-a-yo. Je crois que c'est à mon tour de raconter une histoire. Ok, mais on peut être dedans? Bien sûr, j'ai besoin de 3 boucs. Archie, Lucas, vous en êtes? Yeah! Raconte-nous l'histoire des 3 boucs Gruffes. Ruff! Les 3 boucs Gruffes sont partis dans les collines pour manger de l'herbe verte à souhait. Ils en ont mangé toute la journée, manger jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Regarde ça! Oh, de l'herbe fraîche et verte. Derrière la rivière, petit bouc aperçoit un champ d'herbe de l'autre côté. Traverse le pont et tu paies un péage. Pas avec des pièces, tu nourris le troll. Oh, mon Dieu! Les 3 boucs Billy Gruff avaient très peur du troll. Mais ils avaient aussi très très faim. Le petit bouc Billy ne pouvait pas attendre plus longtemps. Alors il s'en alla. J'ai peut-être peur, mais j'ai aussi faim. Et je regarde toute cette herbe qui est nouvelle. Je vais traverser le pont et aller de l'autre côté. Il est peut-être petit, mais il est courageux. Mais à
Alors quand le petit Book Billy traversait le pont en trébuchant, le troll surgit dessous le pont et dit: c'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Tu ne passeras pas par moi parce que je vais te manger. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont avec mes mâchoires pourries. Ce n'est que moi, un bébé bouc. Je suis maigre comme un clou. Je n'aurai pas vraiment bon goût, mais le bouc du milieu, tu vois. Yeah. Et il sera le prochain. Très bien. Ah, dégage, petit. Le bouc du milieu est le suivant à passer. Il est parti piège à souris. Mais sur le pont, le troll a paru. Il y a un bon gars. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont, juste parce que... C'est quoi ce trip-trap qui traverse mon pont? Juste moi, troll. Je m'en vais manger cette douce herbe, dit le milieu des trois boucs. Oh non, 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 dit le troll. Je vais te manger avec mon thé. Mais je n'ai que la peau sur les os, vous voyez, je n'ai pas de gras. Tu aimerais vraiment voir mon frère, c'est un gros tas de graisse. Oh, oh, ok, j'attends le grand frère. Alors le troll laissa le bouc du milieu traverser le pont tranquillement et attendit son savoureux grand frère. Oh non, ça sent pas bon. Assis sur le pont, le plus gros des boucs traverse sur le pont. C'est qui tritrape sur mon pont? C'est le gros bouc blanc, espèce de mort. Hey, ça ne rime même pas. Je suis un troll poilu aux yeux jaunes, des dents et des griffes horribles. Je te mangerai si tu traverses mon pont. Que diriez-vous d'applaudir? Moi, j'ai vraiment faim. Je suis en route pour manger de l'herbe et rejoindre mes frères aussi. Je te défie, bouc, de croiser mon chemin. Mais quand te charge chou. Et sur ce, le gros bouc Billy chargea le troll avec ses grandes cornes pointues et le fit basculer en arrière par-dessus le pont. Et on le revit plus jamais. Alors maintenant, je vais voir mes deux frères. Nous allons manger jusqu'à devenir gros. Nous avons trompé ce troll avec un plan. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Je vais l'arranger, l'embrasser, ne soyez pas triste. Ouchie, au, ouchie, au. Je suis tombée, j'ai un bobo. Ouchie, au, ouchie, au. Même notre toutou crie wow, wow, oui. Qu'avez-vous fait? Maman va toujours prendre soin de vous. Ouchie, out, ouchie, out. Je suis tombée, j'ai un bobo. Ouchie, out, ouchie, out. Même notre toutou crie bon, oh oui. Bien.
un gros bisou. Maman, maman, Rocky s'est fait mal. Il a un pic à la patte, écoutez-le. Mon petit Rocky, vous en sortirez. C'est juste un petit pic que je vais le retirer. Bien sûr que je l'ai soigné. Oh, il va mieux. Oh, beaucoup mieux. Merci, maman. Je t'aime. Tu es la meilleure. Miaou. Je sens quelque chose qui tremble dans ma bouche. C'est un tremblement de terre? Non, mais ça fait vraiment drôle. Laisse-moi voir. Oh! Hey, regarde, maman, ma dent est en vrac. Je crois qu'elle va tomber. Oh non! Elle bouge en avant, en arrière, je la secoue dans tous les sens. Maintenant, n'est-ce pas le meilleur? J'adore quand les dents tombent. C'est peut-être un peu drôle, mais c'est la vie qui est comme ça. Ma dent est en vrac, elle pourrait tomber. Elle bouge de partout. Quand elle part, j'ai juste envie de rire. Sans dents, sans dents, moi. Sans dents, sans dents, toi. C'est tellement drôle. C'est assez tremblant. C'est plutôt cool. Mon sourire a l'air trop drôle. C'est trop drôle. C'est vraiment très naturel. Une nouvelle dent arrive. Hey, vous avez entendu parler de la petite souris? Elle est très connue, les gars. C'est une diva. Quand ta tonte tombera, elle te laissera une surprise. Oh oui. Ma dent est en vrac. Elle pourrait tomber. Elle bouge de partout. Quand elle part, j'ai juste envie de rire. Sans dents, sans dents, moi. J'ai toutes mes dents. Personne ne tombe. Waouh, regarde-moi. Ma dent est bancale. Elle remue comme de la gelée. C'est à l'avant ici. Tu peux voir, je pense qu'elle a dit bonjour. J'ai perdu ma dent. Où elle est passée? Elle est sous mon oreiller. Bonne idée. Elle est sauvée. La souris le sait. Perdre ses dents, c'est normal. Parce que les dents des adultes poussent. Et elles ont besoin de beaucoup de place pour faire voir ce sourire paf. Ma dent est en vrac. Elle pourrait tomber. Elle bouge de partout. Quand elle part, j'ai juste envie de rire. Sans dents, sans dents, moi. Sans dents, sans dents, toi. Tu es complètement édentée. Tu es si bonne petite fée des dents. Et si une petite souris sans dents? Sans dents. Allons nager. Yeah, il fait trop chaud. Toi aussi? Allez, viens, Wookie. Tu peux venir aussi. Bien sûr. On y va, Yuki. Regarde-nous nager. L'eau est fraîche. Nous nageons dans la piscine. Tout le monde dedans. L'été chaud. Sauter dans l'eau.
La natation nous fait sourire, sourire, sourire. Tu vois, je peux faire la course latérale. Je peux même flotter. C'est bien. Je peux me déplacer vraiment très vite. Comme un bateau à moteur. Je peux retenir mon souffle. Et même compter jusqu'à 10. Regarde-moi faire un plongeon. Et puis je vais le refaire encore. Oh, regarde-toi nager. L'eau est fraîche. Nous nageons dans la piscine. L'été est chaud. Sauter dans l'eau. La natation nous fait sourire, sourire, sourire. Tu vois? Regarde-moi, je nage. Bonne fille. Et j'éclabousse tout le monde. Je fais des vagues géantes. Ça, c'est mon genre d'amusement. Regardez Wouti qui rame. Il aime l'eau aussi. Oh, bon garçon. Regardez ce qu'il peut faire. Oh, joli chien. Regarde-nous nager. L'eau est fraîche. Nous nageons dans la piscine. L'été est chaud. Sauter dans l'eau. La natation nous fait sourire, sourire, sourire. Tu vois? J'aime barboter. Balancer sur mon ballon. Tout le monde est heureux quand il profite du soleil. Et nager, c'est génial. Allez, on va s'amuser. Oui, monsieur. Regarde-nous nager. L'eau est fraîche. Nous nageons dans la piscine. L'été est chaud. Sauter dans l'eau. La natation nous fait sourire, sourire, sourire. La natation nous fait sourire. Yeah. C'est sûr. Hey, elle est où ma part? La petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil est sorti, il a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la gouttière a regrimpé. Non, je sais pas. Elle me donne la chair de poule. Quoi? Mais elle veut juste grimper. Elle aime grimper. La petite araignée. J'ai toute la pluie. Et la petite araignée à la porte a regrimpé. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas si effrayante. Oh, elle est, dites-le. Elle est cool, elle est mignonne. Elle est mignonne. La petite araignée à l'arbre a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil est sorti, il a séché toute la pluie. Et la petite tu l'aimes bien au final, non? On peut dire qu'elle me plaît vraiment beaucoup. La petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée.
Le soleil est sorti, il a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la gouttière a regrimpé. Tu es mignonne, madame l'araignée. Araignée, veux-tu être ma nouvelle meilleure amie? Je l'aime vraiment, je crois. Ellie qui sent mauvaise, jeune fille, tu as besoin d'un bain. Oh, c'est l'air qui m'a roussant. Je veux. Je suis tellement excitée. On m'appelle Ellie qui sent mauvais parce que j'ai besoin d'un bain de bulles en secret. J'aime sentir mauvais parce que les bulles me font rire. Tu sens mauvais, petite coquine. Maman fait couler l'eau et fait basculer la boîte. C'est parti. Le bain est rempli de colline mousseuse et c'est là que j'interviens. Dans le bain, Joey. Des bulles sur mon ventre, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes coudes. J'ai la peau qui pétille, des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille. Oui, tu en as. À manger. Tu sens bon. Tu es délicieuse. Regarde, j'ai fait un crocodile avec des oreilles en mousse. Une dame barbue avec un chapeau. C'est tellement amusant ici. Des bulles sur mon ventre, des bulles sur mon menton, ponton, des bulles sur mes coudes. J'ai la peau qui pétille, des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes oreilles. Oui, tu en as. Les bulles sont vraiment géniales. Le temps des bulles est fini. Je mets maintenant mon pyjama. Je me blottis contre Joey, tout propre, frais et chaud. Papa lit une histoire. Il était une fois un frère et une sœur. Aime le temps des bulles. Des bulles sur mon sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille, des bulles sur mon nez, des bulles sur mon menton, des bulles sur mes orteils. J'ai la peau qui pétille. Dodo, bonne nuit à tous et partout dans le monde. Jouer au docteur, docteur. Oui, 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 oh, oui. Je veux jouer. Je voudrais être l'infirmière. Oui. Il est temps de voir le docteur. C'est l'heure du bilan. Oui. Le docteur est mon ami et me garde en bonne santé. Ok, suivant. Ok, c'est mon tour. Attends, en avant. Elle regarde dans mon nez. Elle écoute mes poumons. Elle dit: maintenant, ouvre en grand. Et je tire ma langue plus large, s'il vous plaît. Jouer au docteur et à l'infirmière. Ok. Soignez mes popos. Attendez, je passe en premier. Non, moi. Écoutez mes battements de cœur. Ça sonne vraiment bien. C'est génial d'avoir un docteur dans le quartier. Maintenant, montez sur la balance pour moi. J'aime être infirmière. Vous êtes une bonne infirmière. Elle me mesure et me pèse et me dit comment j'ai grandi. Tu as grandi. Elle s'assure que je vais bien avec des potions magiques. Maintenant, prenez une cuillère de ceci. Oh. Elle regarde dans mes tympans et prend ma température. Parfait. Et quand je demande des sucettes, elle dit toujours: mais bien sûr. Merci. Tiens, un violet. Il est doux. Certains enfants ont peur quand ils vont chez le docteur. Il faut pas avoir peur, ce doc est vraiment génial. Elle est si fière, je lui dis moi-même. Jouer au docteur et à l'infirmière. Ok, soignez mes popos. Attendez, je passe en premier. Non, moi. Écoutez mes battements de cœur. Ça sonne.
mange, s'il vous plaît? Oui, madame. Elle me demande, ça a fait mal. Elle m'a donné une piqûre. Je ne savais pas qu'elle l'avait fait, alors je lui ai dit que non. Tu vois, elle est bonne. Wow, ça n'a pas fait mal. Bien sûr que non. Jouer au docteur et à l'infirmière. Ok. Soignez mes popos. Attendez, je passe en premier. Non, moi. Écoutez mes battements de cœur. Ça sonne vraiment bien.